Depuis 25 ans, Stop Hunger s'engage sans relâche sur le terrain pour un monde sans faim. Stop Hunger nous a fourni des aliments de base pour nourrir ceux qui en ont besoin. Notre objectif, c'est de développer la production de riz, tout en augmentant la valeur de notre travail. J'ai réussi à créer 56 unités de potager collectif. Stop Hunger nous ont aidés en nous donnant des formations. Face à l'urgence alimentaire, aggravée par la pandémie, Stop Hunger a distribué 8,5 millions de repas et s'est mobilisé aux côtés des ONG et des banques alimentaires pour venir en aide aux plus démunis. Stop Hunger est très présent depuis 2004 auprès des Restos du Cœur. Et s'il y avait une seule valeur à défendre entre Stop Hunger et nous, c'est bien le fait qu'un repas ne suffit pas. Stop Hunger, c'est plus que jamais une priorité, agir au-delà de l'aide alimentaire, par l'éducation, la formation, l'autonomisation des femmes. Ma motivation, c'était d'aider les autres. Je me suis dit, mieux vaut s'en sortir ensemble. La préservation des terres, la transformation des modes de culture et des systèmes alimentaires. Au final, les aliments sortent du potager scolaire et vont directement sur la table des enfants. Cette année, Stop Hunger, ses volontaires, ses donateurs et ses partenaires ont soutenu 54 programmes à travers 31 pays dans le monde pour éliminer la faim durablement. Stop Hunger, that's what we've got to do, and we will, and we're working together. En 2022, avec Stop Hunger, continuons d'agir ensemble pour une planète plus humaine, plus juste, plus solidaire. Si on peut aider une personne, on pourra aider toute la communauté à sortir de la faim. Rien n'est impossible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais. Stop Hunger. Donnez.